Si vous aimez Chronologie des femmes artistes, participez, ça peut être cool. Ça peut être gentil de votre part. Voilà, donc du coup, on va enchaîner directement avec Omori. Vous êtes prêts? Quoi qu'en fait, je peux le faire. Oui, bon, transition. Voilà, Omori est en place. J'enlève le mode studio, je pense que tout est bon, je vérifie. Salaire. On va enlever la musique parce que ça va tout de suite, on va tout de suite aller dans les grandes lignes de Omori. Je vous rappelle du coup qu'il y a un avertissement quand on joue à Omori. Cet avertissement-là est nécessaire pour que tout le monde puisse être au courant des sujets qui sont traités dans ce jeu. Ce jeu a un fort potentiel à faire du mal, parce que c'est un jeu d'horreur psychologique. Je vous envoie l'avertissement tout de suite. Hop. Voilà. Donc, il y a un avertissement qui est déjà officiel, qui est sur Twitch, donc c'est limité. Dans le sens où le flux est considéré comme adulte, ce qui est le cas. C'est un jeu qui est très joli, mais qui a des sujets qui sont compliqués, dont la perte, la dépression, le suicide, l'anxiété, le bullying. Alors le bullying, je n'avais pas de terme, mais c'est grosso modo le harcèlement aussi. Voilà, et le sexisme. Donc on en subit et on en pratique, hein, pour la plupart. Il y a aussi donc du coup un autre truc que j'ai rajouté avec Wisebot, qui est justement le fait de d'avoir tout simplement les informations de ce qu'on a mis en place, qui sont l'avertissement en fait que vous avez déjà dans le chat. Voilà. Je vais pas rester longtemps dessus, mais je vais vous le rappeler de temps en temps. Voilà. Autre chose, on en était où? On avait fait pas mal de choses, en fait, la dernière fois. On va essayer de récupérer quand même de la vie. Il va falloir que je traduise. Je vous rappelle que je fais la traduction directe en live. Donc, faut être un peu sympa avec la manière dont je traduis. Il y a des mots que je perds à des moments. Et on prend un jus de fruits gratuit, comme ça. On venait de battre un chef de casino. Et du coup, on venait de récupérer toute notre clique. Parce qu'on a une clique. Donc, je vais vous montrer la clique. Oui, il nous manque quand même... on n'est pas allé en bas. Ben, on a le nom, mais on n'a pas débloqué, apparemment. Ok. Peut-être que je suis allé un peu vite ou... je sais pas. On va regarder. Donc, du coup, il y a Omori. De ce côté-là, je précise de ce côté-là parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde, du coup, de ce qu'on pourrait appeler des rêves d'un personnage qui est représenté par Omori dans ce monde-là. Il y a Aubrey, Kel et Hero. Donc du coup, on va peut-être devoir revenir de l'autre côté, mais on verra. Qui est le monde réel, ou enfin ce que je considère comme réel, c'est-à-dire celui qui est citadin, quoi. Et donc du coup, Omori ne s'appelle plus Omori, mais est Nino. Omori, ça veut dire miroir, je crois. Je viens de capter le truc. Mirror. Miruro. Il y a un O en trop. Bon, on verra. Et du coup, il y a un système de combat qui est particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est dans les poches importantes. Qui est du coup d'utiliser les émotions dans le système de combat. Je vais vous montrer. Donc voilà. Les émotions. Pour être heureux, ça augmente la chance de toucher la vitesse et ça baisse le coup de critique. Par contre, et c'est plus fort par rapport au fait d'être en colère. Quand on est en colère, on a une attaque qui augmente, mais une défense qui baisse. Et du coup, quand on est en colère, on peut battre ceux qui sont tristes. Et donc là, quand on est triste, on a une défense qui monte, mais on a la vitesse qui descend. Et du coup, certains dommages sont considérés de cœur, peuvent être impactés sur le jus. Ça peut être intéressant. Et voilà. Et du coup, être triste, c'est fort face à être heureux.
Alors, je sais plus à quel niveau on en était du casino. Donc là, voilà, c'était notre chef de casino. J'ai l'impression que ça gueule. Attendez, je vais juste revenir vite fait, parce que là, ça m'a un peu crié dans les oreilles. Je vais juste revérifier le son, et après on est bon. Parce que là, c'était intense, hein. Alors. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce que ça donne comme bruit, là? Oh, ça va. Pour vous, ça va très bien. Pour vous, ça va très bien. Moi, je pensais que... En fait, c'est que de mon côté où ça commence à crier de fou. Ok, c'est pas grave, j'aurai le son plus fort que vous. C'est pas un problème. Hop, je remets, et on est parti. Donc on devait sortir du casino, on venait de démissionner tous, enfin tout le monde a démissionné. Donc on va descendre. J'espère qu'on va pas se faire attaquer par tous les alligators qui sont dans le coin. Parce que les alligators sont le service de sécurité. Hein. De ceux... Ah bah voilà, il a changé déjà tout le monde. Waouh, bonjour. Bonjour Mira. Tu es nouvelle, d'accord. On peut pas aller vite toujours dans ce monde. Oui, donc il y a les petits... Je sais pas si vous voyez les affiches avec marqué investir dessus. Ok, et du coup on va au rez-de-chaussée parce qu'on doit aller chercher Basile, qui est notre cinquième personnage en fait, qui a participé au début et qu'on a perdu. Là on nous force un peu le chemin, j'ai l'impression. Ah oui, non, c'est vrai, c'est qu'il y a deux... Il y a deux ascenseurs. Et du coup, je crois qu'on avait... On avait besoin de... On avait besoin de Aubrey pour le deuxième niveau. Et là, il y a Marie. Peut-être qu'on va faire un pique-nique. Hein. Ah, alors, salut Omori. Toujours aussi... alors, Cliff Faced. Tu dois sourire plus. J'ai toujours aimé ton sourire. Alors, tout ce qui coûte, c'est de laisser... Alors, du coup, ça, c'est tout ce qu'on n'a pas encore débloqué. Faut qu'on trouve Hector. Et du coup, elle sait pas où ça peut être. Ok. Après, il y a d'autres trucs. Il y a le Ghost Party. Donc, le Ghost Party, il faudrait qu'on trouve tous les fantômes du coin. Mais là, on a autre chose à faire. Faut qu'on finisse un peu de faire le tour de... Alors, c'est pas ici... Je crois pas que ce soit ici. En fait, c'est l'endroit où il y a les travaux. Et je crois que c'est au 2 ou 3ème. Ouais, c'est pas ici. Et du coup, on va aller au 3ème, parce que là, on est au 2. Non, j'ai appuyé sur 1. On va aller au 2. Au 3. On essaie de faire... Alors, je sais que là, on est... on est censé finir bientôt, là, normalement. Bon, là, c'est pas des travaux. Je suppose que c'est pas là, ça doit être quatrième du coup. Oui, que on est censé avoir fini d'ici peu de temps. Ah, c'est là où il y a les travaux. Et le truc, c'est que je pense que soit on fait un grand temps d'avancement aujourd'hui, soit je continuerai la semaine prochaine. Du coup, je crois que c'était par là. Et du coup, je crois que ça, c'est Aubrey, elle peut casser ça. Donc on peut changer les persos. On tag les gens, hop. Ouais. Et donc du coup, ça nous avance pas beaucoup, en fait, ça. Mais par contre, pour monter, il me semble que ça nous intéresse... pour après. Par exemple, pour la pastèque ici. Parce que la pastèque, c'est les endroits où on récupère des choses. Donc une bouteille d'eau, ça peut être pas mal. Et ici, il y a pas mal de choses aussi. Ok, on a de la limonade. Donc cette personne, on lui a jamais parlé, donc on va lui parler. Crusher Blast. Il est envoyé à faire du travail, apparemment. Mais le management est mauvais. Ok. Je prédis que l'Empire va tomber, ok. Je comprends.
C'est un peu mal parti. Hein. On va monter jusqu'en haut, on va voir. Ah, on a trouvé un truc dans la... Alors, canne, c'était une canette, et on a trouvé une pizza entière après. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'on avait traversé. Et donc, du coup, là, on est... Mais attends, faut que je prenne Omori, là. C'est pour la clé. C'est juste pour la touche. On a bientôt fini toutes les lettres. Hein. Et on avait trouvé, d'ailleurs, c'est Welcome to the Dark Place. Ou je crois que c'est ça. Alors ça, c'est des choses qu'on doit trouver. Je sais plus c'est quoi la touche, attendez. C'est quoi la touche? Ah, c'est quoi la touche? Ah oui, c'est ça. En bas, il y a 13 sur 26, on en est qu'à la moitié. Oh mon dieu. Mais là, on est allé très... Ça très vite à... C'est très, 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 très... Enfin, j'arrive plus à parler. On est allé super vite. C'est où déjà? Il y a une touche exprès pour... C'est quoi la touche? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Voilà, donc en bas, on peut voir, on a plusieurs lettres. Welcome to the Black Place. Donc par exemple, si on trouve le W et le C, je pense que c'est pas mal déjà. In the gut of... Donc on faut trouver une baleine. Le T, ça serait bien aussi. Dans un tank. Ah non, c'est Bubbly Tank, c'est un endroit où il y a de l'eau. Et en haut, c'est... Quoi? Ah, faut prendre juste les lettres qu'on a besoin. Ouh là là, on va se reprendre. Hein. C'est un pendu. J'avais pas compris ça la dernière fois. Mince. Donc il nous faut le S. À l'intérieur d'une... Ah, ça doit être pas loin d'ici, ça, le S. Et il nous faut le C. C'est à l'intérieur d'un coquillage. Et... entre des grands pinwheels. Donc ça, ça doit être dans la forêt de pinwheels. Donc on va voir si on peut trouver. Ah ouais, il nous faut le W, le C. Wow. Bon, on va essayer de faire avec. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, donc du coup, il faut que je fasse attention à ce que je prends comme lettre. Heureusement que je le comprends que maintenant. À la fin du jeu. Parce que là, il nous reste très peu de possibilités, j'ai l'impression, avec le pendu. Hein. Bon, il nous manque quoi? Les bras, les jambes, le corps. C'est là, hein. Non, c'est pas là. Ah ouais, chaud. Donc là, là-haut, il y a Marie. Et je crois qu'on est déjà passé de ce côté-là. On va voir ce que dit Hero face à sa statue. Bon, il dit rien. On part, hein. Donc, un récipient, une sorte de tank, c'est... on va directement en bas, au rez-de-chaussée. Ah non, c'est pas un rez-de-chaussée B1, c'est Basement 1. Donc, le rez-de-chaussée, c'est comme en anglais, c'est premier. Voilà, c'est le premier. Ouais, c'est ça. On va aller... On accélère. On sort d'ici. Ouh, le gang est de retour. Allez, on se fait un petit high five. Je fais high five à tout le monde. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment on est arrivé ici? Tu sais, j'ai eu un étrange rêve. Il y avait... on était tous... on tombait tous dans un trou noir. Et ensuite, j'ai signé pour toute ma vie un contrat. Tu sais ce qu'ils disent? C'est sûr que c'est étrange. C'est étrange la vie où, là où la vie t'emmène. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, on doit chercher Basile. Oui, quel... On doit chercher Basile. Est-ce que tu penses que Basile est dans ce grand palace? Non. Je pense pas. Basile ne serait jamais fait... ne serait jamais arrêté ici. Est-ce que tu penses qu'il a l'air d'être le genre de personne à s'amuser dans ce genre de truc?
Ok. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il s'amuse? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a essayé de regarder un peu pour voir s'il y a quelqu'un qui l'a vu? Ah. Donc faut quand même demander aux gens. J'imagine qu'on est très loin de là où on, de notre maison. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui connaissent Basile. Oh, j'ai une idée. Et si on dessinait... on va dessiner. Une image de lui, peut-être que les gens le reconnaîtront. Je me rappelle plus de la tête de Basile. Si, il a une fleur dans les cheveux. Il a un peu les cheveux comme Kel. Comme héros. Ah non, Kel, ne dessine... Non, ça va être bizarre. Ton dessin, il va être bizarre, Kel. qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à Basile, c'était sûr. C'était sûr. Ah, tout le monde va dessiner dessus? Ok. Non, ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Et qu'est-ce que tu fais avec mon chef-d'œuvre? Et depuis quand Basile a un long nez? Montre-moi ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment Basile? Ce à quoi ressemble Basile? Je pense que personne s'en rappelle en fait. Ça doit être que Omori qui peut s'en rappeler. Je ne peux rien. Alors, Hero a mis le mauvais dessin dans la poche de Omori. Donc ça s'est pas bien passé. Ne sois pas trop... comment on dit? Down. Oh ouais. Nous pouvons quand même juste chercher Basile nous-mêmes. Ouais, ça devrait être bon. Il y a plein d'endroits où on n'a pas encore cherché. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et si on cherchait... on va descendre du coup. Est-ce qu'on cherchait du coup dans la profondeur... La bonne profondeur. Parce que 10 poils, ça devrait être ça. On doit y aller plutôt facilement avec un taxi ici. Il y en a toujours un devant le palace. Ok, c'est très bien, on va prendre un taxi, on va directement du poêle, c'est exactement ce qu'on avait besoin de faire. Parce qu'on doit, je pense, tout débloquer. Alors, est-ce qu'on a, par contre, un coquillage dans le coin? Parce que c'est le grand truc. Donc, sinon, il y a un... Alors, bubbly tank. Alors, là, pour... Ah, il y a une shell, là. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Non, c'est la thune, juste. Ok. On va sauvegarder avant de partir. Là, c'est la fête des fantômes. Donc, c'est pas dedans. On va sauvegarder vite fait. Avant de partir. Parce que, bon... je suis pas sûr de... On n'a pas eu trop de problèmes avec les combats de boss, là. Mais c'est possible qu'on doit se level up entre-temps. Et là, on va essayer... Ah bah tiens, on va faire la photo. J'adore. Je trouve ça trop bien. On a besoin de bray pour la pastèque. On va aller chercher la pastèque. Une bouteille d'eau. Ah oui, c'est toutes les bouteilles d'eau là qui coûtaient 500 balles. Ok. C'était vraiment une carotte, cet endroit. On a perdu tellement d'argent. Et une balle de... Ah, la balle de... C'est pour quelle, ça? La balle de... Voilà. Donc du coup... Ah oui, ça augmente pas mal. Mais on perd de la chance. C'est pas grave. Donc ça, c'est les choses qu'on peut trouver pour pouvoir nous équiper. Alors, est-ce qu'on peut aller par là? Non, non. Peut-être à pied. Ah si, oui, à pied, on peut y aller. C'est possible qu'on trouve quelque chose. Hein. On va se balader comme ça. D'abord, et après, on prendra le taxi à la fin. Donc là, il y a encore un taxi. De la thune. Donc ça c'est le... Ça, c'est... Alors du coup ça c'est la mouette, elle doit nous donner le chemin. Ouais. Ah oui, c'est la... C'est sans fin. Donc ok. C'est l'autoroute de sans fin. Donc j'imagine que on va tourner en boucle. Ouais, c'est ça. Mais on trouve quand même un peu de la thune. Je suppose qu'on peut arriver à un moment où on trouve justement notre coquillage. Je suppose que c'est par là ou c'est dans le Deep Well. Donc
On fait encore une fois, et normalement ça devrait être bon. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, prenons le taxi. Après, on n'est pas allé dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Bonjour, oui. On veut aller loin. Tiens, j'ai reçu un message. Ah, c'est la picouse. Pac, 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 pac. Mais non, mais on est déjà allé par là. Bonjour. Oui, le Deep Well, oui, exactement. Donc la bonne profondeur. C'est là? C'est ici? Ah, d'accord. Faut aller par là. Bonjour. C'est la douane? Vous êtes vraiment trois... Ah, tu as vraiment vos trois amis? Ok. Vous pouvez y aller. Du coup, là, je peux revenir en arrière. Ah, le S, bah voilà. Il était tout au bout, mais de l'autre côté. Non, mais là... Ok. Ah, il y a notre station de... Ok. Mais là, tout ça, on n'a pas fait... Oh, il y a Sweet Earth? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que ce ne serait pas Sweet Earth? Hé, hey, Sweet Earth, tu te rappelles de nous? On est les enfants qui ont ruiné ton mariage. Quoi, vous deux? Vous quatre encore? Pourquoi vous vous pointez? Comment se passe le mariage? La vie de mariage, c'est une blague. J'ai fini mes... J'ai fini de relationner avec ce misérable capitaine il y a longtemps. Ah déjà? Mais ton mariage, c'était hier? Oh non, ça veut dire que Space Husband, donc Space Cowboy et toi, il est Space Ex Cowboy. Okay. Le pauvre. hélas, ma journée, mon aventure a fini, c'est fini. Je suppose que elle a plus la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui l'intéressent. Elle veut plus, quoi. Elle veut plus relationner. Je suis sûr que ton soulmate est quelque part. Oh, mon doux héros. Comme j'avais attendu ta voix. Mais je dois me retenir. J'ai déjà décidé de mon chemin. Chercher quelqu'un qui pourrait être avec moi, c'est trop vieux pour... Enfin, c'est... une mauvaise idée. Du coup, j'ai décidé de juste être... d'être seul. Ah, elle va en créer un. Par les gens normaux, non. Mais par une personne saine comme moi, je peux plier les règles. Je vais à un endroit où les gens pétés de thunes, comme moi, peuvent s'offrir une famille de... une famille de sorcières... de sorciers... de la mer qui est spécialisée dans les clients, dans certaines demandes. Ok, super. Et donc là, je vous l'ai dit, paysan, je suis en retard pour mon rendez-vous. Ok, attendez, on veut passer nous aussi. On va pas payer à chaque fois le... Ah, parce qu'on a payé la dernière fois, peut-être. Est-ce qu'on doit la suivre? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Sweetheart se pointe, quelque chose arrive, quelque chose de mal arrive. Oui. Et ça devient un désastre. Elle est en dehors de... Elle est dans sa ligue, elle toute seule. Ok. Bon, alors, on va aller par là, déjà. Ah non, mais c'est Omori qui coupe. Non, c'est Omori qui coupe. J'imagine qu'il faut couper ça. Voilà. Donc il y a quoi de ce côté? Parce que s'il faut payer... Ah. Ah. Ah non mais... Bon, il y a une main. Hein. On va aller voir la main de... J'imagine que c'est quelqu'un qui va nous taper. Voilà. Il est heureux. Bon, faut être triste. Hein. J'ai un skill pour rendre triste tout le monde, je crois. Non.
Non, mais de toute façon, on va gagner, donc il n'y a pas de problème, en fait. Ah, zéro. Ah oui, zéro. Ah oui, Happy contre Happy, c'est zéro. Carrément. Ah, et en plus, il peut se cacher dans son truc. Bon, du coup, on va te stab... voilà. Zéro quand t'es neutre aussi, d'accord. Voilà. Ils ont l'air bien bourrin dans le coin. Hein. Ah non, ça va. Oh, il a appris qu'il peut, il peut regarder mal les gens maintenant, Omori, c'est trop bien. Oh, il y a des... Il y a des lapins. Des lapins poissons. Ah, Shucker, c'est quoi ça? J'imagine que c'est pour Aubrey. Ah non. Ah, le contrat, on peut l'utiliser. Ah, on a récupéré le chapeau du requin. Ok. Ah, on peut entendre mieux. Ça augmente la vitesse. Ça baisse drastiquement notre force de frappe. Bon, peut-être héros, du coup. Oui, Shucker, c'est quoi? Ah, c'est un truc pour mélanger. Ça baisse notre point de vie, mais par contre, ça augmente nos attaques. Ça, c'est pas mal. Ah oui, c'est c'est quand même de 4 points d'attaque en plus. En fait, logiquement, je devrais prendre ça. Il est équipé de... Ça pourrait être pas mal, mais ça baisse énormément ma vie. On va peut-être le mettre... enlever les... Y'a pas un truc qui fait garder notre vie, hein, Bon. Non, apparemment. Le contrat, ça tue nos... on peut pas aller par là. Le contrat, ça tue nos vies, là, c'est incroyable. Je sais pas s'il faut aller par là, mais bon. On peut écouter de la musique, hein? C'est chez quelqu'un, en fait. Alors, c'est chez qui? Ah, d'accord. C'est un monsieur avec un bras, encore. Ah, un tube interne. Alors, c'est encore... On trouve des armes, mais je sais pas à qui c'est, ça. On peut pas changer l'arme de truc, mais inner tube, du coup, ça serait quoi? Ah, ça serait pas mal d'augmenter la chance et... Ouais, il y a des trucs pas mal, hein. TV Remote, ça pourrait augmenter, mais on baisse sa défense. La défense de Omori est importante, parce que c'est celui qui reste en vie longtemps. Il n'y a pas grand-chose de bien, hein. Le seul truc qui nous avantage, c'est ça. Et on perd rien, en fait. Donc on va mettre le Fedora. Ah, il y a le Inner Tube, c'est bien un truc qu'on peut mettre. Augmente la défense, mais perd de l'énergie. C'est pas grave. Ok. Salut. Bonjour, on peut vous parler, monsieur? Ah non, c'est vraiment pour vous battre. C'est quoi ce poisson? Bon, j'espère qu'on va pas faire du 0-0 à chaque fois, là. Ouais, il prend pas grand chose, hein. Ah, il est énervé. Oh là là.
Zéro, c'est incroyable. Ça augmente pas notre capacité. Bon, vas-y, on fait un skill, bam, stab, dans ta tête. Headbutt dans ta tête. Et ricochet. Et normalement, j'aurais pas dû faire ça pour héros. Deux. Incroyable. Heureusement que le coup de tête suffit, quoi. Non, j'aurais dû appeler. Oh, il va lui donner de la vie pour rien. On a besoin de donner de la vie à notre cher... à notre cher Aubrey. Donc on va faire ça. 40%. Oh non, mais il va mourir. Oh. Est-ce que tu augmentes de vie? Ah, héros apprend un autre truc, enchantement. Qu'est-ce que... C'est le moment du passage, ça, attends. On peut utiliser tout de suite, là? Genre... Je sais plus comment on fait pour changer les trucs. C'est pas équipe, c'est peut-être skills. Voilà. Héros, t'as appris plein de trucs, en fait. Agit en premier. Et du coup, ça vise un ennemi. Enfin, un ennemi vise héros pendant un tour et devient heureux. Ok. Bon, fast-food, ça peut être pas mal. Tu agis en premier et tout, ça peut être cool. Parce qu'en fait, le truc, c'est... Snack time, ça peut être pas mal. Mais le problème, c'est que on va swap et on va mettre fast-food à la place. Petit time, ça peut être pas mal aussi. Bon. On a quand même besoin d'un... On n'a jamais utilisé garde, donc peut-être qu'on va enlever. Ouais, parce qu'après ça, ça fait viser héros, mais du coup, on a pas... Enfin, ça serait pas bien de le faire. Ça agit en premier, et du coup, un héros se fixe sur lui. On va mettre ça, voilà. On va regarder les autres, parce que je crois que Kel aussi a augmenté des trucs. Deal more damage next turn and increase hit rate. Attire l'attention et réduit tous les ennemis pour le tour. Le critique de tout le monde. Ah, ça uniquement sur la vitesse, ok. Ah. Ok. Ça c'est run and gull, ça peut... Curveball, ça peut être pas mal. Mégaphone, j'aime bien parce que ça énerve les gens. Run and gun. Voilà. On se met plus en mode... on n'est plus en mode offensif. Hein. Là, on est totalement en mode... on est vénère. Ah, c'est pas mal, hein, aussi. Alors... A swing that doesn't miss. Ok, donc ça c'est un coup qui ne loupe pas, mais ça augmente. Ouais, il y a une augmentation si les gens sont heureux. Et j'ai vu là les, par exemple. Ok. On va faire des attaques de masse parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de coups qui font des groupes. Ah, ça c'est pas mal, ça rend triste les gens. Donc, du coup, en fait, par exemple, vu que. Ah, ouais, non, ça marcherait pas, parce que là, il y a un héros qui est en mode happy. Ah, s'il est énervé, on se moque, du coup, c'est bien, ça baisse. Act first. An attack that stronger when Omori is happy. Ça serait pas mal, ça. En fait, si j'augmente ça et que je prends l'outil de. Ça pourrait être pas mal. Là, on va faire comme si tout le monde était heureux et on va voir après.
serait bien de trouver un endroit où tu sauvegardes quand même. Non mais non, j'en ai marre de trouver des lapins sur mon chemin. Allez. Ah non, il a appelé ses amis. Eh, il appelle tout le monde. Wow. Allez, allez. Juste, héros, s'il te plaît. Donne de la vie à Aubrey. Merci. Et on va pouvoir faire des attaques de groupe. On va tester les attaques de groupe, du coup. Alors. Trick. Bon, là, ça sert à rien. Donc, on va jouer normal. Et là, par contre, on va utiliser Wind Up Throw pour voir. Et Run and Gun pour voir sur lui. Et du coup, T-Time, bon. On va lui donner à Aubrey un peu de fast food. Allez, Aubrey. Ah, il vise héros spécialement, ok. What? t'es sérieuse, Aubrey, là, t'es dans ton game, hein. Wow. Elle nous a fait un coup, là. Allez, double enchaînement. Bim, bim, bim. Là, normalement, c'est fini. Hein. Voilà. 2400. Ça rigole plus, les expériences. Hein. Ouh là là. Ah oui, c'est les blagues. Alors toi, c'était quoi la blague? Excellent. Est-ce que tu veux entendre une blague? Je sur la construction, je travaille encore dessus. Et du coup, ça, en fait, on va devoir les donner, les blagues, à la fin, à quelqu'un. Je me rappelle plus qui, mais c'est une quête. Alors, après, le truc, c'est qu'on va, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. C'est pas grave. Là, on se focalise sur la quête principale, c'est déjà bien. On aura vu tous les lapins. Hein. Là, c'est bizarre, il n'y a rien. Ah si, là, il y a quelqu'un derrière l'arbre. Ok. Bonjour. Snelle. Salut les amis, c'est bon de vous voir. Bon temps, n'est-ce pas? Vous avez l'air très fort et je veux devenir très fort, comme vous. Est-ce que vous voulez vous entraîner avec moi? Ok, je vais essayer de mon mieux. C'est son premier combat. Allez. On le teste, mais je pense qu'il a. C'est un truc à PV, donc à mon avis, il va prendre cher. Poum 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 poum. Poum 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 poum. Dix-sept, c'est pas grand chose, hein. Ah, on était même pas à la moitié de sa vie, mais je pense qu'il va se transformer à la fin. C'est un Super Saiyan. Ce chamallow, là. Ah non, c'est peut-être un calamar. Je soupçonne un gros coup, genre ni vu ni connu à la fin. Ah, il est triste. Triste, c'est quoi déjà? C'est énervé. Donc on va activer notre quelle nationale. Allez, énerve tout le monde. C'est parti. Il va prendre que des coups. Il va prendre que des coups, ça va être ça. Bam.
Aïe 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 aïe. Quel jeu d'émotions. Ok, arrêtez, c'est bon. Ah, vous y connaissez vraiment. Prenez ça comme monstration de ma gratitude, il nous donne du café. C'est son ami qui lui a donné. Je soupçonne quelqu'un qui va être encore plus bourrin dans la grotte. Hein. Maintenant, je vais aller dans cette cave qui a l'air dangereuse pour m'entraîner mon esprit et ma... et mon corps. La prochaine fois que je vous trouverai, je serai plus fort. Ouais, j'imagine. J'imagine bien. Ah, ça se déplace, c'est long, hein, quand même. Ah, ça, c'est pour quel, ça? Ah non, c'est juste un objet. Qui a inventé ça? Ça énerve tout le monde, ok. On n'a pas le temps pour se chromâtre. Hein. Ah non! Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, c'était les poissons. Voilà. Il faut peut-être donner de la vie à Aubrey. Héros. Mais c'est une bourrine Aubrey, c'est incroyable. Ils ont de la vie, hein. C'est un requin fin. J'imagine qu'ils sont que visibles de profil. Il y a de l'argent, hein, par terre. C'est quoi ce poisson? Il allait vite. Waouh! J'adore l'idée. Ah, il a l'envers! C'est un sirop à l'envers! J'adore, on dirait mes idées. Ah, il est triste, on va s'énerver avec elle. On arrive. Ah, t'as plus de vie, héros. J'aurais dû le remarquer avant. Est-ce que j'ai encore du life gem, là? Je crois pas. Ah, si. C'est tendu. Faut pas qu'il tape Aubrey, en fait. S'il tape pas Aubrey, ça devrait aller. Oh bah, c'est bon. On a récupéré pour avoir les points de vie. Il a trouvé du tacos. Ok, il était très bizarre. On va se débarrasser de nos snacks, hein. 5. 200. Non, mais 75, c'est bien. Des nachos sur... voilà. Et 50 sur héros, ça devrait aller. Bonjour monsieur. Albacore. Donc c'est du thon. Est-ce que vous êtes ici pour éviter de payer la douane? Vous êtes le troisième à passer. C'est très inconvénient, mais au moins on peut trouver de l'argent. Tu voudras payer par contre le dernier la dernière douane, crois-moi.
Ok, bah écoute, j'imagine que ça, on va, ça, les grottes vont devenir plus compliquées, donc je pensais pas qu'on était en train d'éviter la douane. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Bon, là, il y a de l'argent. Tout ça pour aller chercher le S, quoi. J'ai cru que j'allais l'éviter, mais non. Allez! On va vite, on va vite, on va vite. La dynamite. C'est un objet, ça? Ah oui. Le crabe. Goyle the crab. Ne me regardez pas, je suis monstrueux. Ok. Il a juste une tête d'humain. Hein. Mais non, on va pas se battre avec toi. Là, j'imagine que c'est la sortie. Ce serait bien qu'il y ait Marie à la sortie. Ah. C'est quoi, ça? Non, mais c'est... Je veux pas, il est pas sympa, lui. On fait des attaques de masse. Trop bon. On cook. Pour Aubrey. C'est trop bourrin le bras là. .158 juste pour faire la bouffe là. Wouah. Attends. On attaque normal avec tout le monde. Pas besoin de vous d'être bon. Là. Oh Mori, pas besoin de bourrin, le mec il nous met 100. Ok. Ça c'est quoi du coup? Bon, on sait pas. Ah, j'avais pas vu. C'était poisson. Ce serait bien de récupérer du jus. On peut pas faire le mégaphone. Du jus pour nos amis, s'il vous plaît. Attends, il est énervé là. Faut être heureux. Non, non. C'est pas grave.
C'est compliqué parce que je sais pas si exactement ma voix est très... Si, ça a l'air en fait, c'est bien. J'ai l'impression que le son monte et en fait non, pas du tout. C'est bien. Mais attendez, Omori, il a plus de vie là. Faut donner de la vie à Omori là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on augmente de niveau par contre? Oh, c'est... Incredible! Pocket, snacks. On ne fait pas 200 non plus. Bon, si, on va mettre 200. De toute façon, on a besoin de garder Omori. Tourner autour. Ok. Ah non, c'était là. Je crois que c'est par là, l'entrée de là-haut. Là. Alors, je soupçonne qu'il y a Marie, là. Ah. Oui. Ouais, ils sont en train de s'entraîner, faut leur donner un peu de la force. J'aime pas trop. J'aime moins ça. J'aime bien ça. Ah, c'est vraiment l'apprentissage, hein, par contre. Ah, la bleue, c'était chaîne. Ah, la rose a du mal, j'ai l'impression. Trop vite, trop vite, trop vite. Ok, c'est bien, continuez, au revoir. Eh, hey, Sweetheart encore? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on est de l'autre côté. Faut qu'on aille chercher Sweetheart là, on est dans la sérieusité? Ah, on est sorti du truc et là tout d'un coup. Wow. Ah non, il y a notre ami qui veut se bourriner avec nous là. Ok, ok. Là j'imagine si on descend, on retombe sur face à la douane, mais la deuxième du coup. Oui. Il y a un gang de motards ici, ok. Il y a une ferme. Alors, l'eau est un peu chaude, mais c'est... Ça vient des montagnes. Ok. Quoi? Non mais ils sont bourrins. Faut taper le magicien, faut toujours taper le magicien premier. What? On va jamais avancer en fait là, on va faire que du niveau là. Je le sens. Faut qu'on trouve Marie, qu'est-ce qui se passe? On a plus de life gem hein, je crois en plus. Wouah, je comprends maintenant pourquoi on monte les niveaux. Hein. Ah, il a un prix rallye, d'accord. Attendez, attendez. On peut utiliser les skills de... Ah, il est retombé à un point de vie. Est-ce que tu peux utiliser tes skills sur toi? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de vie? Oui.
besoin de tes skills sur Aubrey. On évite tout le monde, hein, parce que c'est tous des bois, en fait. Ah, on a une quête. Eh, hey, salut, partenaire. Un peu partout, je suis connu comme le fermier de vaches de mer. Mais tu peux m'appeler Jim. Cette ferme est un business de famille, mais ça descend de génération en génération. Mais c'est difficile à maintenir, surtout qu'elle est remplie de lézards, de squeezards. Avec tous ces squeezards, donc les magiciens hein, qu'on a vus, c'est un miracle que cette ferme tient toujours. Si seulement quelqu'un pouvait me débarrasser de tous ces... Ok. On va se débarrasser, hein. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire un mini-quête. Allez, hop. Normalement, on fera un truc. Mini-quête, on se débarrasse de tout ça. Ouais, mais ils sont toujours accompagnés. J'ai pas envie, en fait. Ils sont toujours accompagnés. Il est bourrin lui aussi là. Ok. On a trouvé un sparkler, ok. Bonjour. Ah, lui, il est triste. Ok. Allez, on attaque deux fois, comme ça, on sait faire. On l'a eu. Ça va aller vite là, je crois. Parce que là, vu qu'en plus il est triste, forcément il va prendre plus que d'habitude. Pouah, quel bourrin! Ce qui est bien, c'est qu'avec cette quête-là, on est obligé de faire des combats, du coup, on va forcément devoir augmenter de... faut qu'on soit tous tristes. Alors, par contre, je crois que ça, par contre, c'est compliqué. Bon, on va faire ça. Team Spirit, je crois que ça rend tout le monde heureux. Non, c'est... Oui, c'est ça, une seule personne. Ok. Oh, ça donne trop de... Ça me fait perdre énormément de points, ça. Il a un peu plus de défense que l'autre, donc c'est normal. Parce que là, il a pris quand même des gros coups. Hein. Ok. On a trouvé un...
livre de poésie pour rendre triste tout le monde. Est-ce qu'on peut faire une petite pause pour qu'on se soigne? Voilà. Ensuite, on va juste se balader dans les pockets pour du jus. Sur au bret. Allez, rond. Je sais plus ce qu'il faut faire. Si, c'est... faut être triste. Mais j'ai pas la tech de d'être triste à plusieurs. Faudrait que je rajoute ça d'ailleurs. Parce que être triste, c'est pas mal en fait. Ah oui, c'est, en fait, il nous a tous mis. Voilà. Je compte sur le truc du de Omori. Ah, c'est bon. On fait du level up, hein. N'empêche. Du masse. Non, trois fois c'est pas un frère. Ok. Waouh, il a tout pris. Alors je mets de la vie principalement à Kel parce que c'est lui qui a le plus, moins de défense. Donc il y aura deux personnes qui seront tristes, on va voir ce que ça donne. Oh bah il est parti. Une tape en plus. Ok. On peut continuer comme ça. Ça nous fait du level up à chaque truc, n'empêche, hein, c'est beau. Je suis attaquant pour un... ouais.
Ah, ah oui, d'accord. Il a vraiment changé toutes nos émotions. Ça va, c'est pas, là. C'est pas grave. Vu qu'il a aucune émotion, là, il est en mode neutre, ça va. Ah, mais c'est pas mal. Dernier. Là, il est triste. Et triste, c'est quoi déjà? C'est énervé, je crois. On va essayer. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est mort. Obligé. Obligé. Ah ouais. Il est toujours vivant, ouh, c'est incroyable. Eh, ils ont 500 points de vie quand même. Hein. C'est à cause de ça, je crois. Hein. Mais lui, il est insupportable. Alors, attends. Hop. Lui, il a trop de vie, en fait. Il fait pas si mal que ça, mais il a trop de vie. J'adorerais récupérer ce sprite, il est tellement bien. Voilà, on a fini, on a tout rangé, c'est le bonheur dans les prés. Eh salut, j'ai remarqué que vous étiez débarrassé de tous les Squeezards. Vous êtes vraiment des gars sympas. Et vous avez vraiment fait du bon travail. Voici quelques coquillages pour vous donner de l'argent. 5000, waouh, on est blindé. Allez, on vient, on va tout dépenser. Ah non, mais ils sont tous revenus. Bon bah salut, hein. Waouh, ils sont tous revenus instant. Ah, il y a des travaux là. Et là, il n'y a plus rien. Ok. Bonjour. Gonzo. Cette autoroute est très longue. Ça va te prendre très longtemps aussi pour revenir. Vaut mieux peut-être continuer, ok. Il y a des nouveaux trous tous les jours, je suis vraiment J'espère vraiment être payé double pour ça. Ouais, je comprends. Pousse-toi, n'a rien à voir ici. J'arrête pas de remplir ces trous, mais je dois continuer. Ah mais ça c'est... Turmoil. J'ai dû laisser mes clubs quelque part, à la maison, plutôt. Ok, donc bonjour, ici ça doit être une épicerie. Il doit y avoir Marie quelque part, non? Même pas. Et espèce copoche. Salut, je suis Sadie, mes sœurs et moi, on a ouvert ce café. Mais depuis que l'argent est... depuis que c'est compliqué avec l'argent, la plupart de mes sœurs ont décidé de travailler au casino. Maintenant, il n'y en reste que moi et Léanor. J'espère qu'elles pourront venir ici. Je suis vraiment... j'ai hâte de les entendre chanter de nouvelles fois. Et nous, on mange gratuit, hein, comme ça. Il n'y a pas Marie, par contre. Ça, c'est notre pique-nique. Est-ce qu'on va gagner de la vie, du coup? Dans cette histoire? Même pas. Space Cowboy toujours là. À tous les amoureux perdus. Celle-ci est pour vous. C'est vraiment l'enfer. Leur histoire d'amour, c'est n'importe quoi. Ils sont toujours le même truc. Aïe aïe aïe. Ça dure longtemps. Je sais pas s'il faut... J'essaie d'appuyer sur le bouton. Ah non, on peut partir.
Excusez-moi, on se marre. Faut vraiment se marrer d'ici. J'en peux plus de ce mec. Allez, je craque. Il fait trop rire. On peut acheter des trucs? Ah ouais, il y a des cheese. Trop bien. 250 points de vie? Eh bah attends, on va en acheter 10. On vient de gagner 5000 gratuitement, donc... On est blindé, on est à 32 000 là. Il nous faut du jus aussi. 50% de jus, c'est bien ça. 10 aussi. En plus, ça va être compliqué la suite. Là. On peut pas sauvegarder, genre vite fait. Bonjour, monsieur Alligator. 3 ordres. Je ne sais pas. Je peux demander. Ok. Donc, vous voulez 3 commandes. Ok, super, merci. J'en peux plus de ce jeu. Il me fait trop rire. Bonjour monsieur, vous êtes le chef du gang? Brick, j'ai donné pour une œuvre de charité. Respecte ta communauté, très fort. Soyez gentil envers les autres. Ça c'est les règles du chat, hein. Et aimez vous-même. Ouais. On peut utiliser la voiture? Non, la moto plutôt. Bon allez, on continue du coup. Ah non, attends, c'était pas là? Oui, c'était pas là. Il y avait un truc en bas, non? Oui, il y avait de l'argent. Des chats. Est-ce qu'on a un trick pour pouvoir avoir un masse d'argent là? Genre, on quitte, on revient. Et elle est toujours là ou pas? Ah non. J'ai la thune hein, pour traverser la douane, hein, mais je. Ouais. On va level up, on continue. Par contre, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas Marie. Donc là, la sauvegarde, si on meurt, c'est un peu la misère. Et ça peut arriver maintenant. D'ailleurs, on va regarder vite fait la vie. Non, c'est bon. Le pique-nique a fait le travail. Salut les amis, c'est bien de vous revoir. Très bon temps, non? Je suis devenu plus fort. On va tester ses habilités, oui, bien sûr. Je vais faire du mieux. Là, il va nous faire... Ah, il a appris des skills. Oh, ok. Ouais, moi aussi, j'ai appris des skills. J'ai appris un truc qui s'appelle que je baisse ta vitesse. Il y a un autre truc aussi, c'est je te mets un coup de tête. Il y a un autre truc aussi, c'est je te fonce dessus. Il y a un autre truc aussi, c'est... Je peux défendre quelqu'un, mais confetti, c'est quoi déjà? On est tous heureux, allez. Ah, je l'ai triqué. Ah oui. Beaucoup de vie. Confetti, ouais, on est tous extatiques, c'est génial. Avec, je peux aussi enchaîner. Ah oui, d'accord. Et bien, maintenant qu'on est tous heureux, je te stab. Maintenant qu'on est tous heureux, je vais faire ça, ouais. Et je vais toujours continuer à te foncer dessus. Et je vais donner un peu de la bouffe à Aubrey, parce que... Il prend cher pour rien, hein. Ouh là là, tellement de vie. Comment c'était? Un de ces jours, je serais très fort. Maintenant, il est happy. Ah, mais on est tous happy, c'est très bien. C'est très bien, viens, on est tous happy. Allez, on se tape tous normalement, comme ça, on va pouvoir augmenter à 10. Et je vais pouvoir faire un enchaînement. La musique est bien. Je suis désolé, mais la musique est bien. Allez, on va pouvoir faire un combo. Tout de suite, maintenant. On peut pas? Ah, il a miss! On peut pas faire un combo sur monsieur? Oh, c'est bon, on a fini? Ok. Même si je me sens très fort, je vous donne quand même un peu de café pour montrer ma gratitude. Je me demande qui est son ami, parce qu'il lui donne beaucoup de café. Hein. Je sais que c'est très dangereux de traverser ce pont, mais ça va augmenter mes skills à la perfection.
La prochaine fois qu'on se rencontrera, je serai plus fort. J'ai hâte que tu aies des biscottos. Parce que ça va être ça l'histoire. La blague, ça va être ça. Ah, ça y est, c'est fini déjà. Ah, excusez-moi, je fais que passer. Je l'aime pas, je les aime pas, partez! Mais ça, en fait, en plus, le pire, c'est que la traduction, c'est... comment ça s'appelle comment ça s'appelle déjà les trucs... Oh, je sais plus. Je me rappelle plus du nom. Ça va, Nina? Tu vas boire un peu d'eau? Ok. Tu me dis s'il y a de l'eau, s'il y en a plus, tu me dis, hein. Qui gueule aussi. Tu peux te taire ? Ok, beatdown. Oulala, attendez, parce que là, ça a l'air d'être un skill de ouf. Skill. Oh, ouais, t'as eu des skills pas mal, hein. Donc, ça, on peut casser les moods. Smash, c'était quoi ? Ah, on peut. Si le skill bat quelqu'un, je regagne 100 de trucs, et du coup, c'est. Alors attends. Parce que Team Spirit c'est pas mal. On va mettre Beatdown. Et il nous faut un skill pour tous là. Pour tous les rendre tristes d'un coup. Ah on n'a pas un truc qui nous permet de faire ça. C'est le seul truc qu'on peut pas faire. Donc elle, il peut énerver tout le monde. Et du coup, il peut pas nous... Si, lui, il peut nous faire un prix de groupe ou pas avec sa... Non, on a déjà vérifié, je crois. Ouah, il y a le poisson qui court là-haut. Et il fait peur, lui. C'est qui me pousse, déjà? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Kiel, c'est Oval. Ouais. Je sais pas pourquoi on passe par là. On va passer par là, en bas. Par en bas, c'est mieux. Bon, c'est pas là. Tu. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi. J'arrive. Je disais ça allait trop vite pour moi et je lui ai dit viens qu'on en finisse. Juste de la vie pour un héros là, juste très rapidement parce que héros on a besoin. Je vais mettre skill, il a coûté de toute façon sur lui-même. Voilà, je vais enlever la caméra aussi, juste 3 secondes. Voilà, et voilà, vous allez m'entendre, mais tout va bien, vous inquiétez pas, c'est juste je fais une petite pause. En jouant, vous inquiétez pas, ça va bouger.
Des copains, s'il te plaît. Meurs, il ramène ses copains, je suis choqué. Les points d'expérience, c'est assez ouf. Alors, on va essayer d'avoir le poisson. Voilà. En fait, c'est marrant parce que je me rappelle jamais de la place dans la charte des gens tristes. Je crois que faut être énervé avec eux. Double attaque. Bah voilà, c'est fini. C'est beau. Oui, bonjour le chacha. C'est pas encore l'heure, hein. T'as 3 heures d'avance. Moi, je suppose que c'est du côté des poissons. Donc on va aller sous le poisson. Oh non, mais ramène pas tes potes, s'il te plaît. Oh non. En plus, il ramène ses potes dès qu'il arrive, lui. Ouais, de la vie pour quelle. J'ai bien géré. Tu vas m'attaquer direct, non. Je sais. Voilà. J'étais sûr. Ah, il est énervé. Attends. On va faire des attaques de masse. Voilà. Et rebond. Et on va donner de la vie à Aubrey. Parce qu'on aura besoin. Donc là, il faudra que tout le monde se focalise sur le poisson, enfin sur le requin. Ah mais il est tout seul, fini, ok. Excuse-moi. Tu sais, le chat. Tu peux te... Je suis juste à côté. Tout va bien. 2 minutes. J'ai pas préparé en plus de trucs pour te mettre sur mes genoux. T'as eu peur de quoi? Viens. Exploit et comeback. Quel. Ça c'est pas mal le comeback. S'il revient en jeu. Tu veux venir? Tu veux venir sur moi? Non? Bon, allons chercher ça. Je l'ai là. Ouais. Mais viens. Attendez, il y a mon chat qui s'est pointé. Attendez, on attend le poisson. Bonjour le chat. Vous ne voyez pas encore, mais je vais vous le montrer. D'ici quelques minutes. Mais viens pas le poisson. Donc si tu ne viens pas, moi je viens pas à toi. Hein. On remet la cam.
Voilà, la cam est bonne. Ah mais on doit te rebattre? Je sais pas. Pourquoi t'as voulu sauter? Je sais pas pourquoi. Vas-y. Ah donc c'est vraiment Ah mais ça c'est un bourrin maintenant. Oh, on a... Bon, on va utiliser tous les gros trucs sur lui. Hein. On va mettre coup de tête. Et on va cook pour direct Omori parce que je sens que ça va faire mal. Alors, 80, il commence à prendre moins de dommages que tout à l'heure, hein, je crois. Hein. Ah il nous a tous mis énervés. Ah d'accord. Ah je sens la technique, il va être triste. Ouais, être heureux. Voilà. Eh bien on va tout de suite se rendre triste. Et on va faire Team Spirit et on va rendre aussi Kel heureux. Et on va continuer en mode run and gun sur lui. Et du coup, on va faire un petit... on va attaquer. Là, c'est juste comme ça, au moins, on est bon. On va faire beatdown. Voilà, on va essayer ça tout de suite. On continue avec. Voilà. Parce que lui il apprend en même temps que nous, donc c'est un peu problématique là. On va réattaquer, comme ça c'est fait. Il n'y a que Omori en fait qui va lui faire mal, donc on profite de ça. Voilà, c'est bon là. Non, non. Ah oui! Non mais ne pète pas la troisième fois s'il te plaît. On va appeler Oubret pour lui donner de la vie. C'est quoi son skill? Ah il a son release énergie maintenant? Vous venez tous nous taper là? Il a tué, ouais, super, merci. Hein. Tiens, dans le cœur. Je crois qu'il l'attrape jamais, Omori. Je pense c'est lui. Ah si, il l'a attrapé. Ok. Ok. Donc là, c'est fini pour lui. On va cook, hein. Pour Aubrey. 150, c'est bien, quand même. Ah, ouais. Ah, y a Marie en haut, on n'avait pas besoin. Oh, bonjour Marie, ça va Marie? On dirait que vous avez réussi à atteindre la fin de la route. Ah, faut pas regarder en dessous, ok. On va manger, on va sauvegarder, on va faire tout ça bien. En fait, on est loin de la... On est loin de ce que Along to Beat disait. Ah, il y a la thune. Along to Beat, il disait 28-29 heures, on est à 22, donc on est vraiment... Je sais même pas si j'aurai le temps de finir avant de partir, donc... On va voir. Ça serait bien de continuer en fait au max. Ah oui d'accord, donc non on va peut-être pas aller par là d'abord. On va aller chercher notre pièce. Est-ce que c'est par là? Oui c'est par là. Alors, le S. On a besoin du S. Et là on n'a pas notre pendu qui va nous dire ah en fait c'est nul ce que t'as fait.
Alors, je sais pas pourquoi, mais les trous, des fois, j'y vais pas. Y a pas trop de problème. Ça va, ça fait pas peur. J'étais sûr que ça allait s'arrêter au milieu. Là là. Mais tout va bien, hein. Bonjour. S'il te plaît, évite les pics à tout coup. Merci. Ok, donc on va aller là-haut. Je suppose que c'est pas du tout le bon chemin. Mais tiens, d'ailleurs, tu nous dis quoi? C'est la fin de l'autoroute. Ok, donc ça veut dire qu'on peut plus aller à gauche. Je vais faire une pause toilette. Il y a le chat aussi qui s'énerve. Chacha, tu peux t'arrêter? Alors, on va traverser, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Allez! C'est joli. Waouh, regardez cet endroit. Il y a vraiment des ponts de cool dans le coin. J'imagine que Basile aurait adoré être ici. Il aurait vraiment adoré être ici. N'est-ce pas, les gars? Les filles. Hein. Oui, je suis sûr qu'il aurait adoré. Qu'est-ce que... J'ai une question sérieuse. Est-ce que quelqu'un se rappelle de à quoi ressemble Basile? On n'a pas regardé le dessin. Pourquoi tu demandes ça, héros? Bah regardez, Basile aime prendre soin des fleurs. Il aime bien prendre des photos de ses amis. Il est chaud. Il est agréable, calme et gentil. Et même s'il est énervé, il a tout le temps le smile. Il a toujours le sourire. Le reste, ça a l'air d'être un peu confus. C'est ok, moi aussi, héros. C'est comme si il me manque encore. Mais ça devient dur à se rappeler. Mais ça ne change rien. Même si notre mémoire devient un peu faible, on a toujours besoin de les sauver. Basile est notre ami. Et plus important, il a besoin de notre aide. Tu as raison, Aubrey. Je pense qu'on a tous besoin... on a tous besoin de retrouver Basile, d'avoir Basile... Enfin, ouais, tout le monde... Ça fait très longtemps qu'on est loin de Basile, plutôt. Mais je suis sûr qu'on va le trouver tant qu'on est avec Omori. Voilà. Tout ce temps, Basile nous attend. Il doit être perdu, seul et apeuré. Je parie qu'il a besoin d'une embrassade. Bah, on est tous ensemble et on devrait lui donner un gros hug. C'est cool de vous voir tous les deux, sympa l'un envers l'autre. Pour une fois, ça change. J'aimerais vous prendre dans mes bras. moi et Kel, allez ensemble. Qu'est-ce que tu racontes, héros? Arrête d'être bizarre. Relaxez-vous, je me moque. Tiens bon, Basile, on arrive. On est tous ensemble. On sera tous ensemble plutôt. Ok. Ça c'était juste un peu de l'or. Allez, on continue. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais on va regarder ce qui nous manque comme lettre. Normalement, on est censé trouver un récipient avec des bulles. Alors, je sais plus où c'est. Je m'en rappelle plus. Voilà. Ça devient compliqué, hein, parce qu'il faut pas prendre les lettres qui sont pas bonnes. Donc, il nous faut le C.
Donc là, c'est dans la forêt. Le C. Il nous faut le F. On l'a. Non, tout. Il nous manque le T. Il nous manque le T, le C. Donc le C, ça va être bien, ça va être double. 3, ça va être triple. Et il nous manque le, du coup le T, le W, et c'est tout. TWC. Ok, what the cut, quoi. WTC, voilà. Et W, donc là, le W, ça devrait être à l'intérieur de d'une baleine. Alors, je vais juste faire en mode pique-nique pendant que je vais aux toilettes. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir... je vais sauvegarder, même. Vous allez pouvoir avoir la petite animation. Et je vous laisse avec le pique-nique. A tout de suite. Parti. Du coup, maintenant qu'on a fait le tour, je pense qu'on peut aller directement au taxi. On a bien fait de venir dans ce coin. Et après, on reprend le taxi pour pouvoir aller au Deep Well. On est parti sur la gauche, mais on aurait dû aller par la droite, je crois. Enfin, par le trou, plutôt. Voilà. Hop. Bonjour, Ah, mais attends, on est déjà passé par là. Attends, je comprends pas, la carte, elle est où? La carte. Ça sera toujours noir, peut-être. On a peut-être fini, hein. Attends, je comprends pas. Redescendons. Parce qu'on est, en fait, on est déjà passé par ici. Hein. C'est pas grave. Non, parce qu'on on a déjà fait tout ce chemin. Oui, on a déjà fait tout ce chemin. C'est là où on avait tout récupéré avant. On est allé dans l'autre sens. Du coup, le Deep Well, c'est là. C'est exactement... attends. Endless Highway, oui. On s'est perdu, là, encore? Je comprends pas. Ah, parce que là, on va au casino, mais d'accord, mais en fait, ils nous ont dit, faut qu'on aille au Deep Well, mais on y est allé, du coup.
comprends pas, c'est moi qui me suis... qui me trompe? Sans doute. Sans doute. Parce que là, en fait, on fait que ressortir. C'est par là qu'on était arrivé, je crois. Avec Omori. Ah non, pas du tout. On peut entendre le... Ah oui, il faut qu'on regarde le... Alors, important, est-ce qu'on a le, la tête de notre dessin? Bad drawing, use. Est-ce qu'on peut voir? Bah si, c'est exactement lui. Comme qu'on fait pour partir d'ici. Ah oui, donc... Ah oui, c'est Zelda. Ok, on recommence avec Zelda. Donc, c'était un peu traumatique hein, la dernière fois quand on, était, quand on avait pris... on avait nagé. D'ailleurs, on va checker vite fait la carte. Non, pas ça. La carte, voilà. Et du coup, le Deep Well, ça sera toujours en noir, peut-être. Où on est déjà dans le Deep Well, et du coup... J'imagine qu'il faut aller tout droit. Hein. On va aller tout droit. Ne me dise pas trop le chemin de toute façon. Ah ouais, donc là on est clairement au-dessus du parc. On va faire des châteaux. Oui, on va faire... On profite un peu. Quel qui est vénère. Wouah, quel! Ah moi je fais juste le tronc, ok. Ok. La maison c'est le tronc, ok. Bon, du coup, il n'y a plus le fog. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être aller du côté de la... On va aller du côté de la forêt, hein. Parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. C'est... Déjà, on a le ticket aussi. On pourrait... je crois que le ticket de train, ça devrait être bien. On va aller du côté de la forêt pour voir si... on peut trouver... voilà. On peut trouver dans les cerfs-volants, les trucs. Est-ce qu'on peut trouver notre chemin? Et là, on est déjà allé par là. Les Timso. Parce que là, en fait, on arrive, on monte, et on arrive à l'autre monde. Mais en fait, nous, c'est pas ça, en fait, qu'il nous faut, c'est l'autre échelle. Bon, on va passer par le parc, on verra. Hein. Et après, au pire, on ira au train. Alors, regardons-nous, parce que la dernière fois, on était tout seul. Tous nos amis sourient derrière nous. Bonjour, est-ce que... voilà, client, bonjour. Ok. Il apprécie pas les gens qui font que regarder. Ok, c'est pas grave. On a toujours pas trouvé les pièces de puzzle, hein. Je suis en train d'y penser, là, mais... Ah, tiens. Pinwheel, donc c'est pas là. On prend plus Pluton d'ailleurs, vous avez remarqué ou pas? Alors, du coup, du côté, dans la maison de. Enfin, de la... On doit trouver le C normalement quelque part ici. Entre des géants. Des pinwheels géants. Ok. Donc là, on remonte. Les Sprout Mall. En fait, tu vas perdre tellement vite, voilà, c'est ça. C'est les premiers qu'on rencontre, donc... là, il n'y a même plus de combat. Peut-être en bas... Là, il y a le chien... Qu'on n'a jamais vu, d'ailleurs. Donc là, il est censé y avoir un chien. Non, mais ça sert à rien. C'est un combat perdu d'avance. Ah mais j'y pense, j'ai pas mis l'avertissement. Oh.
Bon, il y a pas grand-chose qui a été un peu compliqué là, hein, sur le sujet pour l'instant. Mais on peut pas descendre en fait, c'est ça qui est très étrange. Comment on fait pour aller en dessous? Là, il y a un truc qui se passe là. Non, mais pas. Non. Non. Bon, continuons. Et là, c'est le truc du brouillard. Donc là, on n'est plus du tout au même endroit. Ah non, c'est pas la carte. C'est pas la carte, attends. Donc là, on est sur... Ouais, sur Après, ça peut être de l'autre côté. On est jamais allé monter... enfin, on est passé en haut, vite teuf. Mais on n'est pas allé très très loin. Ça, c'était le côté où on avait tout le truc avec Marie. Et là, c'est là où on apparaît aussi. Ok. Il n'y a pas grand chose hein, en même temps là. On continue à aller de l'autre côté de la forêt. J'imagine que ça n'a pas le même nom, hein, c'est ça. On est à côté de la station. Donc. De toute façon, au pire, on ira à la station de train. On verra par la suite. Bon, salut. Là, on cherche un peu notre chemin, mais en vrai, on connaît un peu le chemin. Il n'y a pas trop de problèmes. Ouais, on est un peu sur bourrin là. Là. Ah oui, ça c'est le Wise Rock. Je vais te donner un conseil. Bon. Un good. Ok, voici ton conseil. La souffrance ne dure pas longtemps. J'espère que ça t'aide. Bon, casse-toi. Ça aurait été mieux si on pouvait ne pas souffrir. Donc là, il y a encore des spin wheels. Donc du coup, normalement, on devrait pouvoir en trouver quelque part. Hein. On fait tout le bas et après, on verra tout le haut. Ah oui, donc ça c'est le truc où on saute. Et après on redescend. Et il nous redonne des trucs. Ah c'est bien ça. Oh là là là. On va redescendre encore. On va aller très très bas et on va remonter. Mais en tout cas, on est toujours dans la même forêt normalement. Enfin, pas vraiment, parce qu'on a fait le tour du monde. C'est un peu plus là où on doit aller, je pense. Après, Last Resort, c'est marrant que ce soit... Il y ait deux endroits, et en fait, le Deep Well, c'est là où on arrive. Et là, on arrive du côté de... On arrive d'où? Ouais, là, on arrive ici, ok. Donc là, on a vraiment fait le tour du monde, et on a toujours pas trouvé le C. Donc on va monter. Bon, là, il y a le... Ok, voilà. On va aller au train, hein. Je pense que c'est le train la suite. Ça me paraît très étrange de pas trouver le C. Hein. J'ai l'impression que c'est hyper important de trouver les lettres, mais... En tout cas, pour le fantôme, je sais... Ah bah là, il y en a deux. Mais il n'y a rien. Pourquoi il est à l'envers, lui? Pourquoi tout est à l'envers? Vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon. De toute façon, on aurait dû l'avoir, hein. Oh, mon dieu. En plus, quand on va aller voir le train, on va avoir la feuille, là, qui va être trop contente de qu'on ait tapé des lapins. J'ai fatigué de ce dialogue. Bon, le train c'est par là. Ça me paraît très étrange de pas trouver d'empêche. Hein. Ah, il y a plus personne. Bon, on va parler à la feuille. Ah, avec ton regard, je vois que tu as tué 4 lapins.
On a un pied de lapin, super. Alors attends. C'est un objet? Non? C'est carrément un truc qu'on peut équiper? C'est qui peut s'équiper de ce truc? Omori? Non, bah non, toujours pas. Non. Rabbit foot. Ah oui, d'accord, ça augmente la chance et la vitesse. Ah, ça serait pas mal pour Kel, peut-être, comme ça il serait trois fois plus rapide. Je regarde un peu rapidement. Ouais, non, ça augmente bien, mais. Tête, héros. On a besoin de vie pour héros aussi. Bon. Bon, bah voilà le train. Y a plus de train? Mais ils ont de la limonade? Je comprends pas. On peut pas prendre le train? Si? Ah bah oui. Et on a le ticket. On doit être les derniers passagers. Ok, c'est bon pour moi. Hein. Ah, ouais, bienvenue, alors attends, on prend les trucs et après on va dans le train. 2 minutes. On prend les pastèques là, on arrive. J'espère que le train ça va nous permettre de retrouver les derniers quoi. On trouve pas mal d'objets hein. Alors, quelle tête il a le train? Parce que moi ça m'intéresse, je me suis toujours posé la question. Ah, c'est un TGV. Oui, on veut aller dans le train. Mais c'est où quoi? C'est... Où est la maison? Oh non, mais les trains comme ça, c'est pas cool. Ah, mon dieu. Pourquoi on va vers la fin, en fait? Je sais pas. Bon, on continue, hein. On va de ce côté-là, on verra après. Ça tremble un peu. Ah, je peux pas aller trop dans ce sens-là, donc on va essayer de ce côté-là. Ah oui, donc c'était plus court. Ah. Ok. Ah, donc là, c'est la peur du... Ouais, des trains seuls, je peux comprendre. Bon, on va vers la fin, hein. Au cas où il y a un crash, au moins on sera vers la fin. Ah, bonjour! Eh ben écoute, tout le monde a peur, sauf Omori. C'est magnifique cette histoire. On va attaquer trois fois. Ah, on peut pas. Nino? Ah, il a appelé Nino. Ok, il y a que Nino qui peut le taper. Omori plutôt. On sait pas exactement ce que c'est. Je suis désolé. Nino, je suis désolé. Pourquoi? On va repasser du côté... Ladies and gentlemen, on est arrivé à l'arrêt. Bienvenue à l'Oasis Orange, où la lune brille de tout feu. Veuillez sortir du train dans l'ordre. Dans un certain ordre. Merci d'avoir participé à ce chemin. Ah, bonjour. Vous avez été... Tout le monde est mort. Tout le monde est toasté. Ah. Ok, bon, salut. Tout le monde est mort, hein, c'est très bizarre votre truc. N'est-ce pas, l'air n'est-il pas bon ici? On peut sentir le sucre. Oh, oh, oh. C'est les vacances, ça y est, c'est officiel. Blueky déprime souvent, mais... Il a juste besoin d'être écouté, parfois. Et cette personne, c'est moi. Oh.
Tout le monde est différent et intéressant. Je me demande si je suis différent et intéressant. Tu es différent et intéressant. Ne t'inquiète pas. Le temps est à la chaleur, bien entendu. Plus que d'habitude. Je suis plutôt rapide, mais pas aussi rapide que le train. C'est important de connaître ses limites. J'attendais le train pendant tellement longtemps que j'ai oublié ce que je cherchais en venant ici. J'espionne mon petit œil, avec mon petit œil. Oh, comment ça s'appelle? Un parapluie de la couleur de l'arc-en-ciel, avec beaucoup de jambes. Chomp, 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 ok. Des fruits de taille normale, du gros pain, des pamphlets pour des destinations touristiques, et il y a une pub pour le casino. Ah oui, donc le Deep Well, c'est l'endroit en entier, et le casino, c'était un endroit très particulier, ok. Ça m'a expliqué un peu. Je suis désolé, je ne suis jamais venu ici. J'ai hâte de l'explorer, cette monde de possibilités. Ça a l'air d'être immense. Oh, c'est une wampum. Oh, c'est une wampum. C'est une wampum. On a du jus. On peut monter par là? Non. On va aller de ce côté. Ah, je suis libéré. Excellent, excellent. Prenez ça comme cadeau. Oui. C'est qui peut monter ces héros, genre? Ouais, ces héros. Ça, c'est quoi? On sait pas. Ça, c'est quoi? Une sculpture particulière d'un vieux monsieur en sable. Il y a des cacas en sable aussi, hein. Remarquons-le, hein, c'est magnifique. Ces cacas en sable. Allez, hop. Mangeons ça. Wishbone. On peut équiper ça? D'accord. Voilà, grande banane, voilà. Les lapins... Des lapins... Non. Des lapins pancakes. Incroyable. Incroyable. Ah, ils sont tellement... Non, mais on a trop traîné en bas, là. On a trop de vie. On a trop de... Ouais. Bon. On fait le tour, on va direct après au... Oh, ouais. C'est un milkshake bunny, hein. Oh là là, un milkshake lapin. J'y crois pas. Oh, dur. C'est très rapide. Les lapins, ils vont vite, hein. Ok. Ça, c'est quoi? On peut prendre ça ou pas? Non. Non, c'est pas grave. Ah, il y a une quête. Ah non, mais ça, c'est le... C'est un des invités du fantôme. Où suis-je? Mince, ma mémoire m'a fait défaut. J'ai la carte de... qui fait peur. Qui me permet de lui donner l'invitation. Qu'est-ce que vous avez ici? Une map de la fête du gros chapeau? Oh, ok.
C'est mieux que de chercher de la. C'est mieux d'aller chercher de la bouffe avant que ce soit. D'y aller avant que la bouffe soit froide. Allez, j'arrive pour le buffet. Ok, c'était juste un fantôme. Cette place est mauvaise pour mes cavités. Mais qui a besoin de. Ah oui, pour mes dents. Mais qui a besoin de dents de toute façon? Beaucoup de monde. L'oasis orange est très connu chez les vieux qui ont traîné dans les. Qui ont traîné dans les. Qui sait comment? Je sais plus comment on dit. Il y a une trad, mais je sais plus. Sur les tutos, en fait, j'imagine. Les tutos touristes, quoi. Mais j'ai mes espoirs. Un jour, une ville naîtra ici. Il y a plein de villes en développement. Il y a plein d'endroits pour développer. Ah, il y a les jokes là encore. Cette place vide, je le marque. J'ai caché un truc précieux. J'ai frappé ma tête. Ah! C'est lui qui frappe sa tête là où il a caché des trucs. Un peu plus et ça casserait. Ok, donc il faut que je prenne. Faut que je smash. Mais j'imagine que c'est avec elle. Voilà. Ok, on comprend mieux. Merci. On a beaucoup de choses à faire maintenant. Alors la blague c'était comment tu appelles? Excellent. Comment tu appelles un fromage qui n'est pas le tien? Des nacho cheese. C'est nacho cheese, c'est ça la blague hein. En anglais. En anglais dans le texte. Je suis bloqué, je ne peux pas descendre. Ok. On dort sur des échasses. Hein. Marie, devine quoi? Le sable. Le sable n'est pas tout. C'est du sucre. Comment ça s'appelle? Le brown sugar. Le sucre marron, je m'en rappelle plus. La cassonade. Est-ce que c'est pas cool? C'est sûr qu'il fait froid, qu'il fait chaud ici, mais n'oublie pas d'être hydraté. Oui, hydratez-vous, buvez de l'eau. On va sauvegarder. Vu qu'on est arrivé ici. Et qu'on sait que maintenant il faut casser les endroits où il y a sa tête marquée à l'autre. On va prendre un pique-nique. Parce que ça peut débloquer des trucs, je crois. Hein. Il y avait des discussions à un moment. Bon, il n'y en a plus. Ah si. Du coup, le sucre fait du bien à mes pieds. J'ai presque envie d'en prendre et d'aller manger. C'est dégoûtant qu'elle. Pourquoi tu penses à ça? C'est vraiment bizarre. On a vraiment on a des idées bizarres, hein, des fois. Hein. C'est juste que qu'elle ne réfléchit pas avant de parler. Et je considère que c'est un bon truc. Hein. Si tu as besoin de dire quelque chose, dis-le. C'est juste faux, qu'elle. Tu dois toujours penser avant de parler et de la conscience de toi. Qui dit ça? Miss Bossy Pence, c'est grosso modo Miss c'est elle qui travaille quoi. J'ai plein de conscience de moi. Je sais où je suis à n'importe quel moment. Ish. Relaxez-vous tous les deux. Ok. Équilibrez-vous, c'est juste que de la balance. Ok, ok, ok. Coward, c'est lâche. Non, c'est pas lâche, c'est quelqu'un qui a peur. C'est la réponse la plus. C'est la réponse, comment on dit, laziste, c'est lazy, donc la plus. Sans idée que j'ai jamais entendu, j'espère mieux de toi.
Bon, allez, on peut partir. Oh, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? On peut y aller? Merci. Maureen ne dit jamais rien dans les rapports de pique-nique. Hein. Ok, donc là, il y a une sorte de milkshake. De citronnade. Cette eau a l'air si claire. C'est comme si je voyais un autre monde de l'autre côté. C'est du jus d'orange. Voilà. Ah, bah là, on peut monter là aussi. J'ai pas l'impression. Ah, on peut aller jusqu'à... Ouais. On peut sortir de cet endroit-là. Bonjour, merci de me parler. Et il me donne de l'argent. Bah, c'est très gentil de ta part, hein. Écoute. Pancake et cupcake. Ah, mon cupcake, il a de la vie. Hein. Ah, il y a Space Cowboy dans le coin. Un croissant qui est à l'envers, qui arrive pas à se retourner. Est-ce qu'on le retourne? Oui. Merci. Voilà. C'était un croissant. Ah mince! Je suis tombé. Oh non. J'imagine que c'était une entrée du donjon sans. Bon, on va voir. C'est bien, il y a des traces qui sont marquées dans le truc, c'est cool. Ah! Il y a le puzzle de l'autre côté. T'aurais dû écouter. Ok. Ah, ils font peur. ...242, wow. Bon, ça y est, c'est fini. Au revoir. Au revoir. Mais pourquoi ils sont tous apparus là? Nous on veut repartir. Hein. De toute façon, y'a rien là. On va se voir. Pourquoi c'est si long ici? Pourquoi les flèches elles sont aussi longues? Oh, on revient après. Hein. T'aurais dû écouter. Ok. Ah, c'est vraiment un endroit où... c'est des toast ghosts. Vas-y donc. Ah, le deep well, il m'a fait du bien, hein. Je suis clairement bon. Ouais, mais par contre, on gagne pas masse d'expérience ici, hein. Bon, on fait le travail, hein, quand même. Thank you.
pense que d'ici 15 minutes, on commencera, on fera une pause pour délimiter la séparation de l'épisode pour YouTube. On va dire que c'est pas grave. Ok. Désolé, j'ai vraiment pas pu résister. Ah, je l'ai évité, je sais pas comment j'ai fait. En fait, faut vraiment suivre les petits. C'est marrant ça. Le petit passage était marrant. You did it! Ouais, on l'a fait, trop bien. Donc on arrive par où? Ah. C'est pas du tout là où on était. Ok, bon, on va essayer de faire le... Ah mais si, on est juste à côté, ok. Eh bien, on va aller du côté de... Tiens, il est pirate. Alors, Captain Spaceboy et les pirates se sont barrés un peu très rapidement. Mais moi, on est resté un peu pour regarder la planète perdue. Pour chercher la planète perdue de Captain Spaceboy, plutôt. Où pourrait-il être? Allez, plutôt, reviens! Alors, plutôt, c'est plutôt. Hein. Bonjour. Ah, vous vendez du salami. Alors, la légende raconte que. Une paire de jumeaux qui gardent l'oasis orange. Voilà. C'est dit que ils ont le pouvoir de faire ressusciter les morts. Entre autres. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouvais ça intéressant. Ok. Ça c'est quoi ça? Bon là c'est... Ah oui, donc du coup ça c'est l'image. Ah, c'est toast... Toast, ok. Donc ça parle de la mort ici. Parce qu'on a beaucoup de pain. Bonjour le lapin. Je sais pas ce qui compte dedans. Parce que là en fait tu vas... Deux coups c'est fini. Hein. Trois peut-être. Ouais c'est fini. Adieu. On aurait fait en effort. Hop, hop, ah. Alors le miroir, je sais toujours pas pourquoi, à part que miroir et Omori, c'est pas très loin. Hein. J'ai l'impression d'avoir découvert la vie, mais en fait non. J'essaie de l'éviter. Tiens, je me demande si on peut battre le nounours à côté de l'eau, là. Je suis en train d'y penser. Ah oui. Est-ce que c'est dans important? Il y a un trésor. Ah, c'est au-dessus. Ok. Il y a le X. En fait, si c'est juste la lettre, moi ça m'intéresse pas en fait. Tiens, il y a un monsieur qui veut nous parler. On arrive, monsieur. On peut pas passer par là. Peut-être à côté du. Oji Youngings. Alors, salut les jeunes. Tu me dois une faveur? Est-ce que vous pouvez me faire une faveur? J'ai besoin de me gratter le dos. C'est au niveau de mes fesses. Donc je peux pas vraiment y aller. Ça me gratte de ouf. Ok, bah d'accord, on te grattera le cul. On va regarder les étoiles. Ah, c'est peut-être ça qui fait remplir dans la map. Le télescope, je crois que je l'ai pas vu en bas. Est-ce que c'est ça? Alors, attendez. C'est peut-être possible. Hein. C'est marrant parce qu'il considère pas que j'ai checké le...
Le château non plus. Bon. Peut-être qu'il manque un truc. Alors là, il y a le dromadaire chameau. Alors non. Non. Et du rond juste non plus. Bon, c'est très bien, merci. Ah, il y a le sprout moule là. Un tofu connaisseur. J'adore tous les tofus. Chaque pièce de tofu est unique et mérite d'être savourée individuellement. Si tu peux me donner 10 tofus, je te donnerai un snack. Oui, je te donne 10 tofus, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Je t'ai entendu là. Non? C'était pas toi, Chacha? On va donner des frites, ok. Est-ce que je peux t'en donner d'autres ou pas? On a tellement trouvé de tofu chez les tofu là. Les tofu moules. Les. Ah, c'est bien, ils nous donnent des trucs bizarres. Allez, on te donne tout. Je suppose que j'en ai encore plein. Et donc chez Sweetheart, il y avait pas mal de tofu-pousses et du coup, ils nous ont donné constamment des tofu. Donc on fait le plein là. C'est gratuit. Et les tofu, je crois que c'est 5 points cœur. Donc en fait, j'en ai pas besoin du tout. Donc on va faire au max. Ah, ça y est, c'est fini. Salut! Donc, on a fait à gauche... Ah bah tiens. Pluton. Oui, bon, de toute façon, on va faire... Au pire, il va nous... Ah non, il nous parle pas, du coup. Mais où on veut aller? Moi, je veux aller là où on était, en fait. Donc là, on va dans l'autre monde. C'est-à-dire sur la planète de Captain Spaceway, mais c'est pas très intéressant ici. Ah si, on peut aller vite fait casser le mur. Bon, ouais, on va vite fait casser le mur. La musique est bien en plus de... Parce que là, il y a un mur de trésor. Juste pour voir quel genre de trésor c'est. Et il y a le fantôme aussi. Voilà, hop. Hop. Beaucoup de chic-chic, hein. Parce que c'est jusqu'au bout, là. C'est la ligne droite. Donc j'ai dit d'ici 5 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter juste après. On revient... On a fait un peu le tour de la map de... Ouais. Maintenant c'est un job pour... Ouais, c'est bien. Comment qu'on change? Merci. Juste ça. Et donc on va discuter avec le fantôme de du lac gelé là. D'ailleurs on est jamais descendu par là. Ah, on peut vraiment y aller. Bon, on va y aller. Et en plus il y a... Bonjour. De toute façon tu survivras pas, c'est sûr. En fait, il y a plein de trucs que je suis passé à côté, donc... par exemple, en fait, l'eau, c'est un truc que j'ai vraiment très peu testé. Donc là, on a trouvé juste un ruban. Donc, c'est pas ouf. Hop. Bon, c'est pas ouf, hein, en même temps, j'ai regardé ce que ça faisait. Ah non! Pourquoi je suis monté? Pardon. Excusez-moi pour vos yeux. On sait qu'il y a un... voilà. Il y a... Voilà. Ici, hein, il y a un des protagonistes qui va à la fête. Voilà, une map, oui. Regarde, tu peux aller voir Gros Chapeau. Ok. On va faire un retour rapide, parce que là, c'était le... je crois que c'était juste Gros Chapeau, il habitait en bas. Hein. Ou c'était... Je sais plus. Je sais plus trop.
Pour l'histoire des têtes aussi incluses dans le sol, dans la tête, Je sais plus exactement où sont les choses, donc je vais pas pouvoir retrouver tous les murs, mais bon, on a déjà fait un, on a fait deux même, c'est déjà bien. Donc là, on va revenir vite fait là où on était. On va peut-être sauvegarder parce qu'il n'y a pas Marie de l'autre côté, je crois. Ah quoi, non, non, non. On sauvegarde de l'autre côté. Hop. Et en fait, là, normalement, je devrais avoir accès au monde de Sweetheart. Et c'est bizarre que sur la map, du coup, on dirait que c'est pas ouvert, quoi. Donc ok, on est arrivé par là. On a fait ça, on a fait ça. Là, il y a ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas mon... Parce que dans la carte, elle est... c'est pas... ça, ça ressemble à ça un peu. Mais bon, c'est pas ici. Si, c'est ici. Non, c'est pas ici. Ok. Bonjour. Un hamster qui est qui a un pack. Mais qui a un pack. Qui a une banane. C'est essentiellement un petit kangourou. Ok. D'accord. Bienvenue à Oasis Orange. Oula, lune. Ouais. Je suis. Ah, il s'appelle Rico Ravioli. Bonjour, Rico Ravioli. Ok. Ça a l'air d'être d'être un musée. On va gratter ses fesses et on va s'arrêter là. On va faire la pause ici. On va faire la pause ici. Je vais essayer de faire un truc. Je vais faire un marqueur. Voilà, donc du coup là c'était la première partie j'espère la fin de Omori. Je vais faire un marqueur là, rapidement. Attendez, parce que j'ai pas besoin de le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Doc. Outil Twitch. Mais je suis connecté, pourquoi il me cherche là? On fait F5? Non? Ah, ça marche pas. Ah. C'est pas ça. Bon, alors du coup, je vais aller je vais chercher du côté de la chaîne. Et du coup, on fait une pause là, juste vite fait. Je vais chercher Marie. Et on recommencera au niveau de Marie. N'oubliez pas si. Je mettrai peut-être l'épisode 10, du coup. Je vais écrire l'épisode 10, ouais. Studio vidéo. Gestionnaire de stream. Bon, du coup, j'espère que vous avez bien apprécié. C'est un peu plus compliqué parce que là, je sais que ça fait 2h30. Déjà, la dernière fois, en général, je fais 3h ces derniers temps. Je vais essayer de le faire pendant 2h30 juste. Juste pour être cool avec vous. Parce que c'est compliqué, quoi. Sinon. Alors, attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a le stream qui se balance. Mais en fait, non. Pourquoi il n'y a pas le truc là? Je peux ajouter un repère avec une description? Merci.
Ok. Omori.